Aujourd'hui, une vidéo sur Roméo et Juliette, la très célèbre tragédie de William Shakespeare et son adaptation au cinéma par le réalisateur australien Baz Luhrmann. Donc, la vidéo portera à la fois sur le texte original de la pièce de William Shakespeare et son adaptation cinématographique par Baz Luhrmann. Commençons par découvrir l'auteur de la pièce, William Shakespeare. William Shakespeare est donc un auteur du XVIe siècle. Il naît en 1564 en Angleterre, à Stratford, et il décédera en 1616. Le père de William Shakespeare est marchand de cuir et sa mère est issue d'une vieille et riche famille catholique. Le petit William fait des études tout à fait classiques au collège, à l'Upper School de Stratford. Il devient ensuite comédien, poète et enfin dramaturge, donc auteur de pièces de théâtre. Il débute sa carrière avec l'écriture de textes poétiques qui figurent notamment dans un recueil intitulé « Vénus et Adonis » paru en 1593, mais William Shakespeare se tourne assez rapidement vers le théâtre. Son premier succès est une comédie qui s'intitule « La mégère apprivoisée », texte écrit en 1592 et achevé en 1595. À la même période, il écrit la fameuse tragédie de Roméo et Juliette. Dans la bibliographie de William Shakespeare, on compte une quarantaine de pièces, des comédies, des tragédies, des drames historiques. Bon nombre d'entre elles sont extrêmement célèbres. On citera notamment Le songe d'une nuit d'été. En 1587, Macbeth, une tragédie, suivie du Roi Lear, de nouveau une tragédie. Hamlet en 1603, Othello en 1604, une tragédie également. Différents drames historiques, notamment Richard II, Richard III et Henri IV. Dans la comédie Comme il vous plaira, on peut lire la réplique suivante. Le monde entier est un théâtre et tous les hommes et femmes n'en sont que des acteurs. Ils ont leurs sorties comme leurs entrées et chacun dans sa vie joue bien des rôles. Citation qui nous amène à parler à présent du théâtre à l'époque de Shakespeare, le théâtre élisabétain. On désigne sous ce terme de théâtre élisabétain la production de pièces de théâtre, donc la production dramatique, durant le règne d'Élisabeth Ier de 1558-1603 jusqu'à la fermeture des théâtres en Angleterre en 1642. Le théâtre élisabétain désigne surtout un type architectural de théâtre. En effet, à l'époque de Shakespeare, les spectacles se donnaient à ciel ouvert dans des théâtres de forme circulaire. L'aire de jeu, donc la scène, était elle rectangulaire et elle était couverte d'un toit afin de protéger les comédiens. Les spectateurs les plus aisés étaient assis dans des galeries de plusieurs étages et le public plus populaire restait debout en bas de la scène sur un parterre en terre battue. Le décor était très rudimentaire et des pancartes pouvaient indiquer les changements de lieu. Remarque importante, il était interdit aux femmes de jouer et c'était des jeunes hommes qui assuraient les rôles féminins. Le théâtre élisabétain est un théâtre participatif, les spectateurs interpellaient fréquemment les acteurs durant la pièce. Le théâtre élisabétain, on l'associe forcément à un théâtre anglais qui se situe à Londres, The Globe, qui est le théâtre de Shakespeare par excellence. Si la vie de William Shakespeare et le théâtre élisabétain vous intéressent, je vous recommande vivement un film intitulé Shakespeare in Love, film américain réalisé par John Madden, sorti en 1998. Dans ce film, le réalisateur imagine la vie de Shakespeare au moment où celui-ci a écrit Roméo et Juliette. C'est donc un film intéressant pour découvrir des aspects de la personnalité de William Shakespeare, pour découvrir également le théâtre élisabétain au XVIe siècle en Angleterre, mais aussi pour voir le processus de création de la pièce Roméo et Juliette. C'est bien entendu une fiction, mais elle s'inspire d'événements et de choses réelles. Le résumé du film est le suivant. L'action se déroule en 1593. William Shakespeare est endetté jusqu'au cou et il a promis à son mécène de lui écrire au plus vite une pièce.
mais malheureusement, il manque d'inspiration. Parallèlement, une jeune femme, Lady Viola, qui est une jeune noble, vénère par-dessus tout William Shakespeare et elle décide donc de se déguiser en homme afin de pouvoir jouer dans les pièces de théâtre de William. Sachant que cela, bien sûr, était interdit à l'époque aux femmes, comme on l'a expliqué précédemment. Lady Viola est vite démasquée par Shakespeare, qui tombe éperdument amoureux de la jeune femme. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. Le jeune William Shakespeare vit une bien mauvaise année. Ses deux dernières pièces ont été des fiascos. Le théâtre est au bord de la faillite. Nous en donnons un vide public. Et les vautours envahissent la place. Il faut que le spectacle continue. Le moment est fort mal choisi pour être paralysé par la page blanche. Quel est le titre ? Roméo est-elle la fille du pirate ? Raconte l'histoire. Eh bien, il y a un pirate. Entre alors en scène sa propre Juliette. Qui est-ce ? Rêve toujours, Will. On me dit que vous êtes poète ? Je l'étais jusqu'à ce jour. Shakespeare ! Mon cœur est à vous pour toujours, mais cela n'empêchera pas mon mariage à Wessex ce prochain samedi. Et quel fertile ? Elle enfantera bien. Sinon, renvoyez-la. S'il vous trouve ici, vous serez exécuté. Pour un seul de vos baisers, je braverai 1000 Wessex. Alliance Viva Film vous présente tout le romantisme d'une comédie de méprise. Cette femme est une femme ! La maison s'éveille, c'est une nouvelle journée. C'est un nouveau monde. Je veux de la poésie dans ma vie, de l'aventure et de l'amour. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Colin Firth, Jeffrey Rush gagnant d'un Oscar. Étrangement, cette histoire se termine bien. Ben Affleck aussi gagnant d'un Oscar. Quelle est cette pièce ? Et quel personnage est le mien ? Et Judi Dench dans le rôle de la reine Elisabeth. Elle a été prise depuis que je l'ai vue et sûrement pas par vous. Il faut être femme pour sentir ça. À l'origine de l'histoire de Roméo et Juliette, il y a un récit beaucoup plus ancien tiré des Métamorphoses d'Ovide. C'est l'histoire d'amour de Pyram et Thisbé. Pyram est un jeune Babylonien qui est amoureux de sa voisine Thisbé. Malheureusement, les parents respectifs refusent leur mariage. Pour se parler, les amoureux ont un stratagème. Ils vont au fond du jardin et ils se murmurent des mots doux à travers une fissure du mur mitoyen. Un jour, ils n'y tiennent plus, ils décident de s'enfuir et ils se donnent rendez-vous à l'écart de la ville, à la nuit tombée, au pied d'un mûrier dont les fruits, à cette époque-là, sont encore blancs. Thisbé arrive la première au rendez-vous, mais une lionne attirée par l'odeur de la jeune fille survient. Thisbé s'enfuit dans une caverne toute proche, mais dans sa précipitation, elle laisse tomber un foulard que la lionne déchiquette et qu'elle macule de sang de sa précédente victime. Sur ces entrefaites arrive Pyram, qui trouve le foulard ensanglanté et qui croit donc que sa bien-aimée est morte dévorée par la lionne. Il décide de ne pas lui survivre. Il s'empare d'un poignard et décide de se suicider au pied du mûrier. Thisbé, revenue de sa frayeur, sort de la caverne où elle s'était réfugiée. Elle retourne au lieu du rendez-vous, donc le mûrier, et là, elle se voit confrontée au spectacle affligeant de la mort de son amoureux. Désespérée, elle s'agenouille auprès de Pyram, elle trouve le poignard et se donne à son tour la mort. Le récit raconte que le sang des amoureux s'est mêlé au pied de l'arbre et que les racines s'en sont abreuvées et que désormais les fruits qui étaient blancs à l'origine du mûrier sont de couleur désormais pourpre. Il y a bien sûr d'autres histoires, d'autres récits qui peuvent être rapprochés de celui de Roméo et Juliette, mais celui-ci, cette histoire d'amour de Pyram et Thisbé, reste quand même très proche. On peut aussi rapprocher l'histoire de Roméo et Juliette avec celle de Tristan et Iseut, ou encore avec un conte italien qui a été popularisé grâce à la tragédie écrite par William Shakespeare en 1597. Fatal loins of these two foes.
La pièce de Shakespeare, comme le film de Baz Luhrmann, commence par un prologue. Un prologue est en fait une sorte de première partie d'introduction ou de préambule avant le réel commencement de la pièce. Cette introduction permet de présenter les personnages, de mettre en place l'intrigue, et la particularité dans la tragédie, c'est que le prologue vous livre d'ores et déjà l'issue fatale de l'histoire. Dans la pièce de Shakespeare, le prologue est pris en charge par le chœur. Dans les tragédies de la Grèce antique, le chœur s'adressait au public soit par le chant, soit par la parole, et avait pour fonction de présenter le contexte de la pièce, de résumer des événements hors scène et de commenter les actions. Le chœur pouvait être représenté par une foule, une assemblée, une population, ou bien figurer, donc représenter, une entité à part entière. Baz Luhrmann, dans son film, fait le choix moderne de remplacer le chœur, pour le prologue, par la présentatrice du journal télévisé. Voici à présent une traduction du prologue. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des risques nouvelles où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles, que peut seule apaiser la mort de leurs enfants, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Dans ce prologue dominent 3 champs lexicaux, le champ lexical de l'amour, avec la présentation du couple d'amoureux, associé au champ lexical de la haine, parce que ce couple d'amoureux doit faire face à la haine de leurs 2 familles respectives. Enfin, on découvre le champ lexical de la fatalité. C'est un couple qui vit sous des étoiles contraires et qui sera forcément associé à la mort, et donc leur destin est fatal. On apprend que durant ces 2 heures de spectacle ou de film, nous allons voir comment ces 2 amoureux vont essayer de lutter contre leur destin, mais qu'au final, ils seront rattrapés par celui-ci et que la mort seule les délivrera de leurs difficultés. Nous passons à présent à la présentation du contexte de la pièce ainsi que des principaux personnages. L'action se déroule à Vérone, en Italie du Nord, en 1598, époque donc contemporaine de celle de Shakespeare. 2 familles ennemies s'opposent, les Montaigu et les Capulet. Roméo, fils des Capulet, est amoureux d'une certaine Rosaline. De son côté, Juliette Capulet est prédestinée depuis un certain temps au comte Paris. Dans la famille Capulet, nous avons donc le père Capulet, Lady Capulet, la mère, Juliette, leur fille, et le cousin Tybalt, qui va jouer un rôle important en tant qu'opposant à l'histoire d'amour entre Juliette et Roméo. Figure également un peu secondaire, mais qui a son rôle dans la pièce comme dans le film, la nourrice de Juliette. Thank you.
Du côté des Montaigu, nous retrouvons un père, Montaigu, et une mère, Lady Montaigu, qui ont donc un enfant, Roméo. Un autre personnage apparaîtra dans la famille des Montaigu, c'est Benvolio. Et vous avez également des serviteurs associés qui sont Abraham et Balthazar. On peut ajouter à cette famille du côté des Montaigu le meilleur ami de Roméo, qui est Mercutio. Les Montaigu et les Capulet se vouent une haine inextinguible, c'est-à-dire qui ne cesse jamais. Ils se battent régulièrement à Vérone au point de troubler l'ordre public. De ce fait, un personnage secondaire va apparaître. C'est le personnage dans la pièce de Shakespeare du prince Escalus. Ce personnage lutte contre la guerre civile et son rôle est également de rendre la justice. Vous retrouvez le personnage du prince Escalus dans le film de Baz Luhrmann sous les traits du prince. Le prince de la cité Escalus est donc exaspéré par les querelles incessantes des Montaigu et des Capulet. Il décide donc que la prochaine provocation d'un des membres des deux familles respectives mènera à une condamnation à mort. C'est dans ce contexte que va se dérouler la rencontre entre Roméo et Juliette. Cette rencontre a lieu chez les Capulet qui organisent un bal masqué. La particularité de cette fête organisée par les Capulet, c'est qu'elle devrait permettre à Juliette, qui dans la pièce a 14 ans, de rencontrer le comte Paris auquel elle est destinée en mariage. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler ainsi parce que Juliette va faire la rencontre durant ce bal de Roméo. Roméo, quant à lui, pense retrouver au bal des Capulet Rosaline, la jeune femme dont il est amoureux. Il se rend au bal et s'introduit plus ou moins discrètement, donc dans la pièce et plutôt discrètement dans le film, ça l'est moins. Il s'introduit donc au bal, accompagné de ses amis, de son cousin Benvolio et de son meilleur ami Mercutio. La scène de la rencontre est associée à un coup de foudre dans la pièce comme dans le film. Roméo aperçoit Juliette et il est immédiatement médusé devant une telle beauté. Il en tombe éperdument amoureux. Et ce coup de foudre est bien entendu réciproque. Poussé par les ailes de l'amour, Roméo s'approche à plusieurs reprises de Juliette. Il n'arrive pas à se raisonner, il tente de l'embrasser. Roméo et Juliette, malheureusement, finissent assez rapidement par apprendre leur identité réciproque. Ils sont dévastés par la nouvelle en découvrant qu'ils viennent tous deux de tomber amoureux de leur pire ennemi. À la suite du bal, il y a la fameuse scène de la déclaration, scène dite du balcon. À la nuit tombée, après le bal, Roméo se cache dans le jardin de sa famille ennemie, donc il se cache dans le jardin des Capulet, et il s'approche du balcon de la chambre de Juliette. Juliette est-elle en train de faire un monologue dans lequel elle s'interroge sur la difficulté d'aimer un Montaigu, mais elle va au-delà du nom et se rend bien compte qu'elle aime la personne. Roméo va lui déclarer également son amour et très rapidement, on va comprendre qu'il y a une réelle réciprocité des sentiments des jeunes gens. On passe du traditionnel balcon
à la piscine dans le film de Baz Luhrmann. Éperdument amoureux, Roméo se confie dès le lendemain matin au frère Laurent. Le frère Laurent est tout d'abord choqué et incrédule, mais par cette nouvelle, et trouve que l'amour de Roméo est bien inconstant, puisque quelques jours auparavant, il aimait encore Rosaline. Mais finalement, le frère Laurent consent à venir en aide à Roméo et lui promet de le marier avec Juliette. En fait, l'espoir qu'entretient le frère Laurent, c'est de pouvoir ainsi réconcilier les deux familles ennemies, les Capulet et les Montaigu. Le mariage a lieu très rapidement, en toute discrétion, et scelle à jamais l'amour de Roméo et Juliette. Sauf que Thibault, Capulet, qui est donc le cousin de Juliette, va provoquer en duel Roméo. Roméo, de son côté, est complètement transporté par le bonheur et l'amour qu'il ressent pour Juliette et il se sent une sympathie toute fraternelle pour cet ennemi qui est désormais un membre de sa famille, donc Thibault. Roméo refuse donc le duel. Mercutio, qui est le confident et l'ami de Roméo, qui est courageux, s'empresse immédiatement de remplacer Roméo dans ce duel. Malheureusement, Thibault va le blesser très grièvement. Après avoir maudit les deux maisons ennemies, les Capulet et les Montaigu, la peste soit de vos deux maisons, Mercutio finit par mourir dans les bras de Roméo. Celui-ci est envahi d'une profonde tristesse, mais surtout d'une rage terrible qui va le pousser à venger son ami et lui donner l'envie viscérale de tuer Thibault. Ce qu'il va faire. Malheureusement, les conséquences de cet assassinat seront que Roméo va désormais être banni de la ville de Vérone et va devoir s'exiler à Mantoue. Pour les amoureux, l'exil, c'est la mort de leur relation. Juliette est extrêmement attristée par l'exil de Roméo, mais elle ne peut malheureusement pas expliquer pourquoi à ses parents. Son père, qui est assez inquiet de la voir se lamenter, pense qu'elle pleure en fait la mort de son cousin Thibault, et il décide d'accélérer le mariage qui était prévu avec le comte Paris. En apprenant cette nouvelle, Juliette refuse catégoriquement d'épouser Paris, étant donné qu'elle est en fait déjà mariée avec Roméo. Son père lui fixe un ultimatum. Ou bien elle accepte de se marier avec Paris dans les plus brefs délais, ou bien il la renie. Au diable, petite bagasse, misérable révoltée, tu m'entends ? Rends-toi à l'église jeudi ou évite de me rencontrer jamais face à face. Ne parle pas, ne réplique pas, ne me réponds pas. Mes doigts me démangent. Cette scène dans la pièce comme dans le film est terrible parce que Juliette se retrouve
définitivement seule, son père lui a fixé un ultimatum et sa mère lui dit clairement qu'elle ne peut rien pour elle. Même la nourrice va tenter de la raisonner et de lui faire comprendre que le mariage avec Paris est un mariage nécessaire parce que c'est un mariage de raison. Juliette, complètement désespérée, se réfugie chez le frère Laurent qui va lui proposer de boire un filtre qui permettra de la faire passer pour morte pendant 40 heures. La croyant morte, sa famille l'enfermera dans le tombeau des Capulet et le frère Laurent viendra la libérer avec Roméo. Le frère Laurent promet de prévenir Roméo de ce plan. Bien sûr, Juliette accepte. Le soir même, seule dans sa chambre, elle avale ce filtre. Le lendemain matin, la nourrice découvre Juliette inanimée comme morte. Toute la famille pleure la mort de cette dernière et le frère Laurent s'arrange pour que son plan se déroule sans accroc et que Roméo puisse être prévenu du stratagème. Exilé à Mantoue, Roméo reçoit au même moment la visite de Balthazar, qui lui apprend la mort de Juliette. Fou de chagrin, Roméo décide de se procurer du poison et de revenir à Vérone afin de mourir aux côtés de sa belle. Pendant ce temps-là, le frère Laurent comprend qu'il y a eu un contretemps qui n'a pas permis au messager d'informer Roméo du stratagème. Et il comprend, le frère Laurent, que Roméo pense que Juliette est morte. Il décide donc, le frère Laurent, d'aller délivrer Juliette le plus vite possible. Roméo est plus rapide. Il se rend sur la tombe de Juliette et là, il rencontre Paris, le fiancé, qui était venu lui apporter des fleurs. Un duel plein de douleur a lieu entre les deux hommes et Paris, à l'agonie, demande à Roméo de l'amener près de Juliette. Ce dernier accepte. Il contemple alors l'éclatante beauté silencieuse de Juliette. Il l'embrasse une dernière fois avant de boire le poison, une fiole de cyanure, et de mourir. Le frère Laurent découvre avec horreur le corps des deux jeunes gens gisant sur le sol. Il assiste alors au réveil de Juliette. Il souhaite la convaincre de ne pas faire de bêtises et d'aller se réfugier dans un couvent pour pleurer la mort de Roméo. Mais Juliette, découvrant le corps de Roméo mort à ses côtés, se poignarde avec la dague de Roméo et meurt à ses côtés. Les Capulet et les Montaigu se rendent ensemble au cimetière. Le frère Laurent leur raconte la tragique histoire de leurs enfants, qu'il appelle désormais les amants de Vérone. Les deux pères, accablés et envahis par le chagrin, déplorent cette haine irraisonnée entre leurs deux maisons. Ils décident donc de se réconcilier sur le corps de leurs enfants et se promettent de leur élever une statue d'or pour leur faire hommage et faire connaître leur histoire au plus grand nombre. Voilà donc comment s'achève l'histoire de Roméo et Juliette. Cette histoire d'amour qui se déroule en fait en quatre temps, la rencontre et le coup de foudre, le mariage, les difficultés et enfin
la mort. Cette histoire d'amour est désormais un mythe parce qu'elle a une force terrible et elle a traversé les siècles, et puis parce qu'elle montre la puissance du sentiment amoureux. L'histoire de Roméo et Juliette a fait l'objet de nombreuses adaptations. On évoquera assez rapidement certaines d'entre elles. Il y a notamment une symphonie d'Hector Berlioz, un opéra de Gounod. Quelques images du ballet de Sergueï Prokofiev en 1935. Je vais également vous présenter une adaptation un petit peu différente. C'est le film West Side Story, qui est un film musical de 1961. L'action du film West Side Story se déroule en 1950 à New York. Deux gangs se battent pour faire régner la loi dans le quartier. Ces deux gangs sont les Jets, qui sont des Américains d'origine irlandaise et polonaise. Les Jets sont menés par Riff et ils s'opposent aux Sharks, menés quant à eux par un leader qui est Bernardo. Un soir, lors d'une danse, Tony, le meilleur ami de Riff, le leader des Jets donc, et Maria, la sœur de Bernardo, le leader des Sharks, tombent amoureux. Bien sûr, comme dans Roméo et Juliette, le couple d'amoureux, donc ici Tony et Maria, vont devoir subir les bagarres et les conflits imposés par leur clan opposé. Unlike other classics, West Side Story grows younger. Unlike other classics, West Side Story grows younger.
Concernant les différentes adaptations filmiques de Roméo et Juliette, l'une des nombreuses adaptations de la pièce de William Shakespeare est le film réalisé par l'Italien Franco Zeffirelli en 1968. Son adaptation a remporté 2 Oscars, l'Oscar de la meilleure photographie et des meilleurs costumes, et reprend l'histoire d'amour de Roméo et Juliette. Je vous laisse voir quelques images. L'adaptation de Franco Zeffirelli est plus proche du texte original de Shakespeare. C'est pour cela qu'il y a des combats à l'épée, comme le montre l'image avec Tybalt. Alors que dans l'adaptation de Baz Luhrmann, on est sur un contexte beaucoup plus moderne. Les épées sont remplacées par des armes à feu, des revolvers. Most enduring love story is the motion picture to be seen forever. Romeo and Juliet. Hang me, young baggage, disobedient wretch. I tell thee what, get thee to church on Thursday or never after look me in the face. Academy Award nominee Franco Zeffirelli's masterpiece, acclaimed by audiences throughout the world, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, starring Leonard Whiting and Olivia Hussey, as the star-crossed lovers whose devotion ignites the greatest romantic drama ever lived. Juliet, if the measure of thy joy be heaped like mine, that thy skill be more to blaze in it, and sweeter with thy breath this neighbour air. They are but beggars that can count their worth, but my true love is grown to such excess, I cannot sum up some of half my wealth. Come, we'll make short work, for by your leaves you shall not stay alone. The holy church and corporate two in one. And will to go. Come death and welcome, Juliet wills it so. The world's most enduring love story is the motion picture to be seen forever. Paramount Pictures presents the Franco Zeffirelli production of Romeo and Juliet.
En 2011, le dessinateur Enki Bilal propose une adaptation de l'histoire de Roméo et Juliette dans une bande dessinée de science-fiction intitulée « Julia et Roem ». C'est en fait le deuxième ouvrage après « Animals » de la trilogie « Coup de sang ». La bande dessinée se présente donc en trois parties. Cette adaptation relate les conséquences environnementales catastrophiques du coup de sang qu'a subi la Terre. Des déserts ont surgi, des mers ont disparu. L'histoire débute en plein désert de Gobi, où l'on rencontre Lawrence, un ancien aumônier militaire au volant de sa Ferrari solaire. Lawrence qui fait penser au frère Laurent. Sur sa route, il rencontre Roem et Merkt, en piteux état et complètement déshydraté. Il les sauve de la mort, ainsi qu'un rapace blessé à l'aile par un coup de fusil. Les deux personnages font la rencontre de Tib, qui les mène dans un hôtel en ruine d'Abu Dhabi, où logent quatre autres survivants. C'est dans la deuxième partie du livre que Lawrence, Roem et Merkt font la rencontre des autres survivants. Immédiatement, un regard fusionnel est échangé entre Roem et Julia. Les personnages vont se raconter leur passé et très rapidement tomber amoureux. Je ne vous dévoile pas tout, mais la bande dessinée comme l'histoire de Roméo et Juliette se termine de manière tragique. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de la chanson de Grand Corps Malade, chanson de 2010, intitulée « Roméo kiffe Juliette », chanson qui apparaît dans l'album « Troisième temps ». Je vous laisse écouter la chanson et voir l'adaptation moderne que Grand Corps Malade propose de l'histoire mythique de Roméo et Juliette. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3, Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé. Dès que le père tourne le dos, il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les bichetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près, mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent d'histoire et se tirent. À croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare. Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour, du courage et deux enfants hors des normes.
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants en avant sur leur temps.